Salut les amis, salut tout le monde, il faut des puces, bienvenue sur vos prochaines informations préférées, Afrique éveillée. Aujourd'hui on s'étape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Mali, où nous avons le bilan officiel de l'attaque de mardi à Bamako. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Mali, une source de sécurité a fait état de 77 morts et 255 blessés. Un document confidentiel officiel authentifié rapporte une centaine de morts et cite notamment 81 victimes. Le quotidien Le Soir de Bamako annonce à sa une les obsèques d'une cinquantaine d'élèves et gendarmes ce jeudi. Les autorités dominées par les militaires se sont gardées jusqu'alors de communiquer un bilan humain précis de cette opération dont l'ampleur n'avait pas été vue depuis longtemps dans la capitale et qui concrédit les proclamations de la junte au pouvoir quant au succès de sa stratégie. L'état-major s'est contenté de reconnaître mardi soir quelques pertes en vie humaine, notamment des élèves gendarmes, alors que différentes sources faisaient état d'un nombre très élevé de morts. Le groupe de soutien à Isla et aux musulmans abrégés GSIM, qui a revendiqué l'opération, a rapporté via ses réseaux de communication que quelques dizaines de ces hommes avaient fait pendant 9 heures des centaines de morts et des blessés dans le camp adverse, dont des menaces du groupe russe Wagner allié au régime militaire de Bamako. Ces combattants ont ensuite été abattus, a-t-il dit dans son communiqué. Les attaques de mardi ont eu lieu le lendemain du premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays dirigés par des militaires à la suite de putschs successifs depuis 2020 qui ont rompu leur alliance avec l'ancienne puissance coloniale française. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Mali. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de notre petite note informative, car moi je trouve que les forces de défense de l'armée malienne sont en train de faire tout le mieux pour remédier à cette situation qui est en train de mettre en péril la vie de beaucoup de jeunes et vieux maliens. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis. Bye bye.